Bénissons le Dieu des cieux par le nom merveilleux et magnifique du Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Ton Père de Sasson et Nam, le Bambirible Jésus-Christ, Seigneur, ton Zusoba, Masminga. Que son nom soit sanctifié et que son règne vienne sur toute la terre. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi de suivre cette émission, cet enseignement sur la Pâque. Alors, nous savons que la Pâque, à son origine, elle a eu lieu dans le livre de l'Exode au chapitre 12. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, qui étaient alors esclaves en Égypte, de mettre du sang sur les linteaux de leurs portes. Cela fut fait et c'est ce qui a permis à Dieu de les faire échapper à son jugement, à sa colère. Tandis que les Égyptiens qui n'ont pas fait ça, qui n'ont pas mis le sang des agneaux sur les linteaux de leurs portes, eh bien, ils ont été frappés par le jugement de Dieu, la mort. Ainsi donc, nous voyons les conséquences bénéfiques de la Pâque, mais aussi les conséquences douloureuses en termes de châtiment de la Pâque pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui s'abritent et qui se confient dans le sang de l'agneau, eh bien, la Pâque va leur apporter toutes les bénédictions dans le monde présent et dans le monde à venir. Pour ceux qui négligent le sang de l'agneau, le sang du sacrifice, sacrifice offert par Jésus-Christ lui-même à Dieu son Père, donc pour ceux qui négligent ce sacrifice-là, bon, les conséquences sont douloureuses. Et elles le seront encore davantage dans le monde à venir. En effet, l'Écriture déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Or, il se trouve que tous les hommes sont pécheurs. Et avec cela, que si le sang ne se verse pas, si il n'y a pas effusion de sang devant le trône de Dieu dans le ciel, il n'y a point de pardon pour les hommes sur la terre. Là où on est, voilà, mesdames, messieurs, le langage de la Pâque. Ce langage nous annonce des bénédictions qui découlent de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus dans le temps présent, donc des bénédictions en cours et des bénédictions encore à venir.
Parlant des bénédictions en cours et de celles à venir, eh bien, c'est en repartant à l'origine dans le livre de l'Exode que nous allons bien apprécier et bien comprendre le langage de la rédemption, le langage de la Pâque. Ton sang en gomme, barque son bé, wakat kanga la barque son wat yéli, yati libre le bi, que c'est vrai pour un chapitre, puis le yibetire la ton nan ouma yéla vour soma. Voilà, dans Exode au chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, nous y lisons, mesdames, messieurs. Yikre chapitre yob, verset yob, tout à verset niwa, nan karmame. Voilà, Exode chapitre 6, verset 6 au verset 8, nous allons là comprendre le langage de la Pâque, les termes et le langage de la Pâque. Qui parle de Pâques parle aussi de rédemption, de rémission des péchés. Donc, Exode chapitre 6, 6 à 8, il est écrit, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, c'est le Seigneur qui parle, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Verset Yoba il a mis Dénga, Bifiel Bam, Timam ya Zusoba, Lamnan yi se bam tum to ninga Egypte neba se modrod bam Timana point. Lamnan far bamba, yis bam yem ning Egypte neba se kins bamba point. Yanek kang sentar pang lamam nan tiran far yamba. La mamnan sibra bamne sibra sin ya kasan far yamba. Mamnan dire yam ti yimam neba. La mamnan yi yam wenam. La yam nan bangame ti ya mama wenam sin ya yam zusoban far yam ne tum to ning Egypte neba sin modrod yam ti mana. La mamnan tal la yam ti keng. La mamnan tal la yam ti keng ting ninga. Mam sin da kaba Abraham ne Isaac la Jacob. Alors, lorsque nous poursuivons au chapitre 12, verset 12, pour compléter la lecture, et après nous allons faire le commentaire. Dieu dit ceci, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. La yon kanga, mamnan piura Egypte solman wen kom nem sa fansmbe Egypte solman pour wan, sin sing ne nisal ba halti tarum sa. La mamnan sama Egypte neba wen nam damba, mam ya zusoba. Si nous mettons ces deux passages ensemble et que nous examinions attentivement les mots clés, nous allons voir, nous allons comprendre le langage de la Pâque, le langage de la rédemption et les bénédictions qui sont annoncées. Ton sang dit que koranga zinse yiba nan ton tabala ges gombi lugudis nisim bebe berbeda. Ton nan wuma paka vore la barque boutre toi fansan lui ne paka. Alors il est dit, je suis l'Éternel. Abye la main mamia zusoba. Donc, la Pâque est donc une occasion ou un moment où c'est un temps fixé pour la révélation de l'Éternel comme Dieu pour toutes les nations, pour tous les hommes et tous les peuples. Den paka ya zunoro bum yeti sori wakat zusoba wenam son venerat bam ya soba ne dunia ne ba fa la dunia ne sembe solom toto ya fa pour son. Donc Pâques appartient à ce que l'on appelle les temps fixés, les moadim. Les moadim qui sont donc une période des moments propices de la révélation de Dieu aux hommes. Paka nara wakat nisib sumbonti jusoba wenam sin nyak wakat ndugul naman bum wala bum yinga
Donc à l'occasion de Pâques, Dieu ne se retient pas. C'est-à-dire qu'il brise le voile qui le sépare de nous et il est prêt à se révéler à toute conscience humaine, à tout homme qui a faim et qui a soif de sa présence. Amen. Denda pak wakati zusaba mwena pas solo mengi bam kinga fuli ligni ngasambe tonne bam suka en venra nenga nenne ba fanim ni sfasan dat bam nenga nya sandat bam bam dab. Je suis l'Éternel, donc Dieu se révèle. Mam yezusaba denda obwili gdameng. Il se révèle. Opuku dameng. Et il dit maintenant, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous affranchirai. Donc, la Pâque est un moment d'affranchissement de toute servitude. Il est dit encore, je vous délivrerai de leur servitude. Et donc, la Pâque est un moment de délivrance de toute servitude. Ensuite, Dieu dit, et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous sauverai à bras étendus. Le langage de la Pâque, c'est celui d'offrir le salut à tous les hommes, partout où se trouve sur toute la terre. Ensuite, il dit, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Donc, la Pâque, c'est aussi un moment où Dieu juge nos ennemis, c'est-à-dire les esprits impurs et toutes les puissances des ténèbres qui s'opposent à la volonté de l'homme, de Dieu, dans la vie des hommes. Ensuite, Dieu dit, je vous prendrai pour mon peuple. Donc la Pâque est une occasion où chacun de nous peut accepter d'être pris dans les bras de Dieu comme étant fils et fille du Dieu vivant. Je vous prendrai pour mon peuple. La suite du verset, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je serai votre Dieu. Verset wa kinga tori yele mam nan yi nyam wenam la yam nan banga metia mam far nyamba ne tum tonis Egypte ne basan zilar nyamba. Donc Dieu nous appelle à une relation spécifique, particulière avec lui. Wenam bonda ton kane ne lamentar sin ya kasin a sin zulum hal wusro ton ne bam suka. Ensuite il dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob, je vous le donnerai en possession. Pâques signifie que Dieu nous promet un royaume. De la même manière qu'il a juré de donner aux enfants d'Israël la terre de Canaan, eh bien, il a promis aussi de nous donner un royaume inébranlable par le retour, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rentrer dans un pays de gloire, un pays de merveille, un pays où il n'y aura plus la mort, ni les douleurs, ni les oui, ni les why. Ensuite, au verset 12 du chapitre 12, Dieu dit, cette nuit-là, j'ai passé dans le pays d'Égypte. Donc, la Pâque, c'est aussi un moment où Dieu visite et il pénètre l'atmosphère spirituelle dans nos nations, dans nos pays. Égypte
Habituellement, on sait que c'est la nuit, symbole de la puissance des ténèbres, c'est la nuit qui est le moment propice où les puissants des cieux, où les démons, les esprits méchants, les esprits impurs, la nuit, c'est leur moment le plus propice. Voilà. Mais Dieu dit, non, cette nuit de la Pâque là, lui-même sera là. Et donc, il mettra en déroute toutes les forces et toutes les puissances qui sont contraires à sa volonté dans nos vies. La yonkanga sova zusa bawen na meng yela me ayo apana le yoto ma menga na wa la mam nan sanga prince bourfan signa si soins prince yonkanga. Donc la Pâque, c'est une nuit de délivrance, un moment de délivrance, parce que Dieu lui-même sera là. Il sera proche des hommes et il pourra écouter très facilement et répondre à toutes nos prières. Pâque wakati ya zusa bawen na belam bam sam penrab neba bam le pen neba nan tourne tourne kasam si fanrab neba. Et il dit, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le yila même passé mam nan ka budo ratiti Égypte wen nam damba budo. Donc le langage de la le langage de Dieu à la Pâque, c'est un langage de vérité à travers lequel Dieu promet de faire la différence entre lui et toutes les idoles et tous les faux dieux qui ne sont pas de véritables dieux. Il va faire une démonstration de sa puissance afin que l'on comprenne qui est le vrai Dieu et qui ne l'est pas. Le Seigneur dit, je vais exercer mes jugements contre tous les dieux du monde présent, contre toutes les idoles partout où elles se trouvent sur toute la terre. Donc Pâques, c'est aussi un moment de jugement du vrai Dieu sur les faux dieux du monde. Den paki ya wakat ni sirwen namas nan kaw ziriwen nam damba budo zamwen nam damba budo. Alors lorsque on récapitule le langage, le lexique de la Pâque, alors on peut voir qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de d'affranchissement. Den san kol ngil pak avon le pak san datin yi le langage de la Pâque. Voilà. Voilà. Ratin ngulga met ya ya fangre. Voilà. L'affranchissement, la délivrance, le salut. Allez-y. Ok, yolsro fangri. Voilà. La yemriis point. Le jugement des faux dieux. La boukaolips nan kao zili wenam damba bou. Le jugement des esprits impurs et tout ça. Si soin sa bour kao wakate. Voilà. Le fait que Dieu nous prend aussi pour son peuple. Ya wakat me wenam san ngil reton dik ton wabam ngan ne. Le fait qu'il se révèle à nous comme étant notre Dieu, et le jugement sur les faux dieux sur toute la terre, et le fait que Dieu, eh bien, il enlève le voile qu'il nous empêche de le connaître. Alors il enlève ce voile pour se présenter à nous, et il l'a fait en la personne de son fils, le Seigneur Jésus-Christ. La wakat me absan lakat fuli lidga absan panrati ton twen nya vena venra ya wakat ni mbam birible Jésus-Christ wanki wo wakat. Et donc à travers le langage, le lexique de la Pâque, nous pouvons comprendre qu'il y a déjà à travers ce lexique, ce langage là, des bénédictions qui sont en cours et d'autres qui sont à venir. N'impak avant le ton nya tamé ti bark boudou zoem bein. Ce que Dieu a promis aux enfants d'Israël à l'occasion de cette Pâque primitive dans Exode, il a accompli entièrement pour eux. En termes d'affranchissement, de délivrance, de salut, etc., etc., il l'a fait pour eux, il les a conduits jusqu'à dans la terre promise. Sans y faire les la d'attitude boum ni s'fasse dans le camp, mais pire, ça m'a rendu compte en rapport avec un camp. Et Dieu a eu à juger effectivement tous les dieux de l'Égypte. Il a mis l'Égypte spirituelle antique à genoux.
Dinda pam sit kawa wenam dam ni sinya Egypte wenam dam se zir wenam dam ba budo en kit sulugui ngon sakpamba. Et par la suite les idoles comme les Astarté, les Baal, les Moloch, tous ces dieux ont été jugés. La wenam de sinya Baal, Moloch haya la wenam sataba fa kawa budo. Donc toutes les bénédictions selon les termes du langage de Dieu à l'occasion de cette Pâque primitive, tout ça, ça a été accompli. Et il y a ces bénédictions qui sont encore en cours pour nous aujourd'hui. En quelque sorte, aujourd'hui, par la Pâque de la mort de Jésus-Christ, eh bien, nous avons cette nouvelle Pâque, cette véritable Pâque, avec toutes les bénédictions comme celles qui ont été accordées aux enfants d'Israël lors de la première Pâque. Il y a le bala ti ne Christ kuma ton pam da fanger zan kepi sir paka wa Israël ne ba Israël kamas nda pam fanger pipi paka wakata. Alors, nous allons voir quelques bénédictions qui découlent du langage de Dieu à la Pâque dans Jean chapitre 12 verset 31 à 33. Jean 12 31 à 33. Nanya bark buto tour son duene paka kipsa Jean chapitre pile yibazingen. Jean 12, 31 à 33, il est écrit: maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, 31 à 33. Masa ya duni kanga bur wakati masa abna diga dunia naba tayi la mamna pama zinkri dunia zugu mamna bola neba fa tibwa mamnenge. De la même manière que Dieu avait promis de juger tous les dieux de l'Égypte et tous les dieux des pays aux alentours, de la même manière aujourd'hui il promet de juger le prince de ce monde des ténèbres qui est Satan, qui est le diable, le serpent ancien, le dragon. Awabs nda pinin kab Israël neba yituna kawa zaman kan wenan sa Egypte wenam damba se ziri wenam damba buda oblik kaba kame yituna mbu lik pansoir bat fa budo ratiti sutana se ya wakura zambangra na kawa fa budo. Donc Pâques n'est pas un moment aussi simple et anodin. Non, Pâques c'est un moment de combat de Dieu contre Satan et son royaume. Den paka pa wakat ya wakat zalwoto ne bala ya wakat ya zabar wakat wenam sin zabar ni likonsoar ba. La mort de Jésus-Christ à la Pâque permet à Dieu créateur de vaincre et de détruire Satan et son royaume et tout le système qu'il a mis en place pour séparer Dieu de sa créature. Christ kum pak wakata kitame ti wenam tongo ne likonsoar ba tout ma fin. La soutane Zabarbour fa la soutane si soin sa fin tout. Il est écrit: maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ogul samé mosa lik pansoir d'abnan lobala ying. Le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, selon qu'il est écrit que toute la terre est sous le couvert du malin. Dunikanga naba sin ya soutana awab son gul sa dunikanga naba ya soutana. Mais il sera jeté hors de la création. Labna en yisala nan rasukun. Il sera mis hors d'état de nuit. Et pour cela, notre Seigneur a donné la parabole de l'homme fort qui garde ses biens, et puis un jour, un plus fort que lui vient le lier et le dépouille de tous ses biens. L'homme fort, c'est le diable. Les biens qu'il possède, eh bien, ce sont les âmes des hommes sur terre. Bon, pas qu'il est propriétaire par création, mais il les a volés des mains de Adam qui l'a séduit et qui l'a fait tomber dans le péché et dans le non-mérite. Parati tiya yenda nan sis kan son soba la ya son toron zu wakat ninga son bela Adam. Maintenant, le Seigneur Jésus, qui est plus fort que tout, vient avec la puissance de son Père. Et on voyait bien le Seigneur Jésus qui chassait les démons, il ressuscitait les morts. Donc, il avait autorité
sur la puissance de Satan. Donc, on voit Jésus-Christ qui vient, qui lie Satan et ses serviteurs. Et donc, il libère maintenant les hommes qui peuvent retourner à Dieu comme étant ses fils et ses filles pour l'adorer en esprit et en vérité. On wa sam sultan panga ton nya tamti bam pipi wa nga pumwe liga zindamba ma ga banse mana bunka sam sa wotone un wiliga to wan dega e sultan asinda lebe na mayi madam farba to lebe wen na neba un wa wen na mosa. Donc Satan est jeté hors de la création sur le plan spirituel, hein, tout ça se passe sur le plan spirituel, et le Seigneur dit: et moi quand j'aurai été élevé de la terre, donc sa mort sur la croix, voilà, à Pâques, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, il va dépouiller le diable, il va attirer tous les hommes de bonne volonté à sa connaissance et à sa lumière. Bon, mis fin ton son gomda, il y a si pour un la bon quand il se fait un pidi, la ton n'y a ta mère, tu sais, Christ, il a même sans ou un zinc mam d'une kangara, tu bam kouman la voura, bam nan tal la neba fin, ne bamba douce. Maintenant, lisons dans Jean chapitre 11, verset 51 au verset 52. Il est dit: mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation d'Israël. Et ce n'était pas pour la nation d'Israël seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ok, la ni kagum woto nemen pang yi, la ni sin ya manku kasum yum kanga, ni to sabanga guam yi, tisu soba jesu torin ki bam bude nyinga, la kabam bude bali nyingi yi, la nan tigma wenam kamba me, sin sin zinga fan, te libre bumba yemri. On se rappelle que Jacob est allé en Égypte avec sa famille. Bien des années après, la famille est devenue un peuple. La yumson wan kausi zakane ba wan sanrame de bourou sur mosa. Et maintenant, Dieu avait besoin de construire une nation. Tu mwenam darat mosa en nan bum yiti vigil nebkungo bum yiti solom. Et c'est la mort de l'agneau pascal qui va permettre à Dieu de faire sortir le peuple et le conduire à travers la mer Rouge pour finalement lui donner un territoire, et le peuple est devenu une nation sur la terre de Cana. La yane pebila kuma lamna yile pebila kuma paka wakati nkite tisusobamena na yist ob neba egypte ngan tunone mokor miuga. Donc c'est comme ça que Dieu va rassembler les 12 tribus pour en faire un seul peuple, une seule nation. De la même manière, l'Écriture nous dit que Jésus devait mourir pour réunir en un seul corps tous les enfants dispersés dans le monde. Aya woton kitib yel metik ton su sobe Christa toron kime na yelen tigem dunia ne pa fatu lebre yinga yemre. Des hommes et des femmes qui sont destinés à former le peuple de Dieu dans les temps à venir, dans les temps messianiques et dans les temps à venir, des hommes et des femmes qui doivent être rassemblés en un seul corps qu'on appelle le corps de Christ ou encore l'Église. Voilà, Christ est mort pour que ces hommes et ces femmes soient réunis comme un seul corps qui est son Église. Parba la ropa sumbole te tourna taban libre nyinga yemur Christ pour un den ya Christ kuma en kiti parba la ropa sin yit solom tatoya fana wanting taban libre nyinga yemri solom ayemur pour un. Et cette action de Christ qui consiste à réunir tous ses enfants dans toutes les familles des peuples, dans toutes les nations, les réunir et spirituellement en un seul corps, cette action est en cours aujourd'hui. La tum kang sia tigum kasenga zusoba Jesus Christ kumas nan tigum neba fawa to leba yinga ndati ti bam wendora Christ nyinga ya wakat kanga ton hambi wotu amenga aketon tumda me la tigis kang ketun tigis. Et à son retour, on verra que effectivement ce corps réuni est une réalité. Ce corps réuni sera revêtu de gloire et sera son épouse à sa droite lorsqu'il s'assira
sur son trône de gloire à Jérusalem en présence de tous ses anciens. La bam sanwa nan libronwa yibo nga mosanton na nyame ti tigis kasan kanga ra ti nyin kang mosana yi venra bam nan tala ni kaiswanki Jérusalem tenga pouwa ndinama wakat ningaps na wazinde gira zuga. Et Colossiens 1 13 nous dit Colossiens yemran pila tamba yetame que celui qui est mort à la Pâque sur la croix et qui est revenu à la vie Jésus-Christ, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13. Colossiens, yemri mpila tambo ayelame. Bam yis ton lik pouen, takale ta non netonye, la bam ninga ton ban, ok, la bam ninga ton ban binongra solom pouen. Voilà, donc on retrouve les termes du langage de la rédemption de Pâques, les termes que nous avons vus dans Exode 6, là, il nous a délivré la délivrance, délivré des ténèbres. Et il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Comme les Juifs ont été transportés pour entrer dans le pays de Canaan. Donc le langage de la Pâque est le même. Ce que Dieu a fait dans le passé pour les Hébreux, leur délivrance et leur transport à travers la mer Rouge jusqu'à leur établissement dans la terre de Canaan, ce qu'il a fait dans le passé, il promet encore de le faire aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il va faire va concerner toutes les nations, tous les hommes de bonne volonté qui voudraient bien devenir membres de son peuple. Boum ningip sindaman, Israël kamba, wakat ning sindore, rati eti, obsan, mfar bam ne yemda, ntalaban yi, ntune mokol miuga, halen tukon tarab sina kins bam tensonga pouwa, kanatenga, aya wotome labile kamba, tout nam mana, tonurunamen, Et dans Hébreux au chapitre 2, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, nous pouvons y lire Hébreux 2, 14 à 15. Il est écrit, Hébreux 2, 14 à 15, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les enfants de Dieu, ceux qui sont destinés à former son royaume, dans les temps messianiques et dans les temps à venir, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ok, verset piga la nase denga kam si nem nezim me lebra bon kanga tine kum na sam sutana sen sukuma panga la far nebni senda zuit kum mbe yemur pouen ob yon teka tibouen yasida bamkawa nan son malek ramye. Alors, dans l'Égypte, Dieu, par la mort de l'animal, de l'agneau, par la mort de l'agneau, Dieu a anéanti tout le pouvoir et toute la puissance des dieux de l'Égypte. Nem pebila kum Égypte nga pouwa juste ba wena nda sama pense li pensoir ba tuma Égypte sur ma pouwa. Et les enfants d'Israël ont eu la liberté comme ça. La Israël ne ba pa ma fangari. Leur âme s'est réveillée et ils ont compris qu'ils n'étaient pas des idolâtres des Égyptiens, mais qu'ils étaient enfants de Dieu, destinés à adorer le seul vrai Dieu, loin de toute idolâtrie. De la même manière, le Christ par sa mort, voilà, comme l'agneau en Égypte, Christ par sa mort, comme agneau de Dieu maintenant, à la Pâque, il meurt pour anéantir non plus Pharaon et ses dieux, mais pour anéantir le
plus grand de tous les pharaons, celui qui inspirait Pharaon, c'est-à-dire le diable lui-même. Christ meurt pour détruire le pouvoir de Satan qui est la mort. Bam sama ratiti pharaon kasanga menga sutana sin sob ninga sanda kan konta pharaon yam kelen taman winga bam kuma da pika zugo mosan sama sutana panga en kombam ne baluhoro. Et le Christ délivre tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. La Christ kuma fara da bam nisma sanda kan berabe pointa zuit kuma tabna pam luhoro mos. Donc la mort de Jésus-Christ à la Pâque a pour but de donner à tout être humain la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La liberté. Christ kuma dapika zuga yati farabram nis fasandat fagre ne bam kuma la ne bam fura. C'est pourquoi Colossiens au chapitre 2 verset 15 nous dira. Renkiti Colossiens yibum pila noa yetren. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Bam sama rimdamba ne noya pince et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. La bam wiliga neba fante tonga bamba ne kunda pika. De la même manière que par la mort de l'agneau dans le livre de l'Exode, Dieu a dépouillé Pharaon et ses dieux, il les a dépouillés de ce qu'ils considéraient comme étant leur bien, les enfants d'Israël. De la même manière, eh bien, Christ par sa mort a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a même livrées en spectacle et il a triomphé d'elles par la croix. Awa pebile kuma yikisebra pontons nda karma Israël et mieti Égypte nga point zusaba wenam sinda sam faraone wenan sa panga nda yesu zang fasiwa a wotome Christ kuma sam sutan panga yesu tane ne lik pasar ba fa pensi la wiliga ne ba fa ton bam dapikazugo. Et aujourd'hui, parce que le Christ a dépouillé Satan de son pouvoir et de ce qu'il considère comme ses biens, les âmes des hommes, on voit des hommes et des femmes de toutes religions, de toutes nations, de toutes tribus qui échappent au pouvoir de Satan et qui se convertissent à Christ et qui deviennent des enfants de lumière et qui constituent les enfants du royaume de Dieu. La Christ son ton soutan a pince bout fan yi sbzang fasiwa ton nyata momosa ti solom toto bout toto ya ne bouto to fan pam da fanri ob yite soutan nuwe soutan a yemer point libre wenam neba en tekriyam ko suguri en kien wenam solom momosa. Pour les temps à venir. Wakat son wat momosa. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9 au verset 11. Karam wiliger chapitre pila yibo. Verset wati ta pila yemre. L'impact de la Pâque sur les temps à venir. L'impact, l'influence profonde de la Pâque. Pâque sana man ko kasang ninga wakat ni son wati. Ce qui va se passer. Bum ni sana mane. Parce que la Pâque a eu lieu, que le Christ est mort. Ba la Pâque zindame Christ ki me. Et que la puissance, la Pâque de Christ agit dès à présent dans notre monde, dans la vie des hommes, dans la vie des femmes. La Christ Pâque tombe ni salva bouffant vie pour un runa halwa atitawaka son watme. L'Écriture nous dit que ce n'est pas tout, ce n'est pas ce que nous voyons seulement aujourd'hui, mais même dans les temps à venir, dans les temps messianiques, dans les temps à venir, des choses grandes vont se réaliser à l'occasion de la Pâque, la mort de Christ à la Pâque. La course somme wili de ton type mas mas ton sene la ba wa 400 wati bon kasam se tum kasam se bum busra na mane pak a Christ ki wenyinga. Apocalypse 12 9 à 11. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Wilga sopit pila yi verset way la briga dragon kasinga sinya wakudre sembonti diable la sultana sembelra dunia fawa obriga nyenda ta king dunia zugu la briga nyi malekramba me tu punyenda. On retrouve encore dans les temps à venir, pour les temps à venir, on retrouve encore le langage de la rédemption, de la Pâque au temps de Moïse. Voilà. Nous savons que l'armée de Pharaon, avec ses chars, a été précipitée dans la mer
des gens à la main rouge. Donc, le mot précipité, voilà, nous rappelle ici, voyez, ce qui s'est passé. En leur temps, Pharaon et son armée ont été précipités. De la même manière, le diable est précipité sur la terre. Il est chassé du ciel et, bon, il se retrouve maintenant sur la terre. Din awa faraone suda same hinda lisko kasanga pour hinda lob ko kasanga pour moi aya woto me sutana mene a malersa bom yete zinda ma fab lobob la me. Maintenant le salut est arrivé après que Pharaon a été l'armée de Pharaon a été précipitée dans la mer. Eh bien les enfants d'Israël étaient maintenant à 100% sauvés, ils ne risquaient plus rien. Wakat ninga faraone suda sa fa han limko mo bonrowa ton mi fasi Israël kamara palis huit rabimba fi. Et maintenant que Christ a précipité le diable et ses anges sur la terre, eh bien maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Rain wakat ning zusoba zukrison ton sutana pince bour fawa masa fangle ne panga la tonwe nam solom ne bam kris pangwa me tibwen ton babi sorwata senda not bam tonwe nam tor winto ne yunga obliga la meta sigi bam ton yenda ne pebi lazim la ne bam kasita gwama. La première Pâque a précipité Pharaon et son armée dans la mer Rouge et a apporté le salut pour les enfants de Dieu. Pipipaka luba bom yeti loba pharaon ne soda sa fan ko kasnga pourati wenam kamba Israël ne batem pam fanri. La deuxième Pâque en la personne de Jésus-Christ a précipité Satan et ses anges sur la terre, ils sont vaincus. Yib so paka neton du soba Jésus-Christ kuma da pika zuga loba sutan ne zina fa tenga zuga. Ils n'ont plus de place dans le ciel qui est le symbole de la sphère de décision puisque vous savez c'est le ciel qui contrôle et qui gouverne la terre. On parle de tar zinga, parle de tar zingri. Là, tu parles de tar noti nyaki yam walati nyaki yam ti man bumu banem imte nyingra. Bumu ni sim bebe wa en kitre ngiti wana en kitre ti imbe tenga me mano. De cette manière, Dieu nous annonce que Pâques est aussi un message pour nous prouver et que le pouvoir et l'influence des démons, de Satan et son royaume sur les hommes, eh bien, à moins que nous le voulions, ils n'ont plus ce pouvoir de nous contrôler. Si nous acceptons de mettre notre confiance aux filles de Dieu, nous deviendrons à jamais des hommes et des femmes libres de toute tutelle et de toute servitude du péché et du mal. Den pak wilig de tonno ti sutana ne apansoar ba bumyeti ne zinda ma fan paleban ta nori. Bal Christon rob la main ton sans sac nan pas du soba mas tengri en sac ti ton yama loene du soba ton nan yi neps pam lo horum la fanga zan fasi. Qu'il nous accuse devant Dieu, ce n'est plus un problème parce que Dieu a un avocat qui est à ses côtés, qui est son fils et qui annule toutes les accusations de Satan portées contre les hommes. Asanda tatouan ton wenam tori paliban pakiyesa bala ton tara swangra sembi wenam gera tori nyokr setun yinkitrenti ronda bour fan le bagat zalam Christmas nyinga. C'est ça le message de la Pâque. Ngeyi ya wotola Pâque gombi la mengo. Et il faut que nous entendions ce message. La sekada metir wum gom kanga. Que nous l'acceptions et que nous agissions maintenant en fonction de ce message. Voilà. Et il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. De la même manière qu'en Égypte, c'est par le sang de l'animal que Pharaon et son armée et son peuple ont été vaincus. De la même manière, par le sang de l'agneau Jésus-Christ et par la parole de Dieu, eh bien, tous ceux qui se confient au Seigneur Jésus-Christ sont vainqueurs sur Satan et son royaume. Awa Égypte nga pebile kuma senda kontrole senda kontrole ne Égypte solo mwen nam damba ne zindamba fanwa awoto me Christ kuma kontabram nisfas na sak bamba tonre
Que le diable nous accuse jour et nuit, qu'il soit engagé dans une activité négative contre nous, jour et nuit sans cesse, ce n'est plus un problème. Parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix du calvaire, en mourant à Pâques, il ressuscite en même temps pour être notre avocat puissant, notre avocat bien écouté auprès de Dieu le Père. Et il nous défend parfaitement en annulant toutes les accusations de Satan contre nos vies. Donc le message de la Pâque, c'est que par la Pâque, et à l'occasion de Pâques, parce qu'il y a eu la Pâque, et parce que l'effet de la Pâque est en cours, eh bien, toutes les activités de Satan sont nulles et non avenues. Bala, bon quand ton remetti Pâque à ton zindame, l'année Pâque à masse minga, Satan rendra ou la rendra bout de fin par l'éventarion ou par l'éventuellement ton bafi, du sabawinamto. Nous allons étudier un dernier passage, toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 11, les versets 17 au verset 19. Apocalypse 11. 17 à 19. Il dit sous le chapitre pila et mort vers pila yo petit tapila waya boum ni sim bébé. Il est écrit, le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône, se prosternèrent sur leur face. Et ils adoraient Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Maleka yopi saba peba bargo. La koy kasin zinda arzan pour un yele. Dunia solom fan le braton zusova la bam Christa renda. La bam nandi nam wa 4-5-7. La kasin dam pisi la nasa. Sen zao bam ge wennam tora fon abne sten wa wennam yele. Ton pous da nyam. Ton pous da bam barka zusova wennam sen ten fan. San be la sen daram be. Nyam sen deri pan kasin an dit nama nyinga. Solom tatwa neb sunire yikame, la nyam sunpugra wame, la kumbur kawwa katame, si nyam nan kon, inonglom yemsa, si nyam noresba, la nyam neba, la fansun zwit nyamba, ni talse la ni kasemse kyori, la nyam nan sam neb ni san sam dunia. Eh bien, c'est cela, à la dernière trompette, la septième. Il est proclamé dans les cieux, il est proclamé à forte voix que le royaume du monde désormais passe dans les mains du Fils de Dieu. Et c'est ça le message de la Pâque. Christ est mort. Christ qui met. Et il n'est pas mort de manière à ce que cette mort soit anonyme et vaine pour tous les siècles, pour tous les temps, mais sa mort annonce son retour glorieux et victorieux, et sa mort va lui permettre de recevoir la plus grande récompense, c'est que le royaume du monde, l'autorité du monde, le gouvernement du monde lui sera accordé par Dieu son Père. Bam kuma. Pakum sin
ki ti nan ki lampa vi woto nan pa tolon tal vonre ya ti pinu wilik da bam nam sinan wa bam sinan lebro wa zindigab nam bam halen di nam bam ba wen nam tori lap sinan wa dati dunye solom tek fin ap sinan dikin ning bam nougen. Pâques, c'est pour annoncer que Dieu a saisi sa grande puissance et qu'il a pris possession de son règne. Pâques, yasinan wilik ti zusoba wen nam par la mort de son fils, Dieu reprend le contrôle sur toute la création. Et la preuve, c'est que, vous voyez, la mort, c'est le pouvoir du diable. Et maintenant, Dieu, en ressuscitant son fils à la Pâque, en le ressuscitant des morts, prouve par là qu'il a mis fin au pouvoir de Satan qui est la mort, et que son fils vit et règnera éternellement. Nyami meti sutana panga yakuma la wakad ning zusoba zukrista mwenam son vour bame yiskum suka wilig dem to ponga sutana pang sin yakuma la pana leta nore ya vi mosambe. Son fils, le fils de Dieu Jésus-Christ, il meurt par la volonté de Dieu et Dieu, à travers lui, Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, va montrer son pouvoir sur la mort. Or, la mort est le dernier pouvoir de Satan. C'est sa dernière cartouche. Et Dieu va anéantir le dernier cartouche de Satan en ressuscitant son fils d'entre les morts, de telle sorte que, ainsi, par la résurrection de Jésus-Christ, Dieu met en évidence ce qu'on appelle l'immortalité. Adi, ton fin, bon, il dit, il mime. Ti sutana panga pankasanga yakuma ratitia ayawlum ven nyeme han tarantum ne la wakat ning zusaba wenam han sak ti bambirible Jesus Christ ki bam liberon vourob la men yiskum sokan wilig ti sutana pang seme la pale banta nori un wilig mo santi toyeme nisal toyeme vim wakatan kaseta. C'est pourquoi après sa résurrection le Seigneur Jésus Christ a dit: j'étais mort, maintenant je suis vivant, voici je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Yaren ki tu sobe Christ vous rapporte bien les mamde ki men la mosa adma mam vi wakat san kasete la mamza da kum ne kim kulu kulumbila. Le message de la Pâque, c'est que le temps vient, et ce temps viendra, où le Seigneur Dieu va récompenser ses serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent son nom, les petits et les grands. Il y aura de grandes récompenses pour tous ceux qui auront manifesté leur crainte de ce grand Dieu, petits et grands, et qui l'auront servi au cours de leur vie. Pâques, vous l'avez dit, vous avez 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 dit, bam nongolom yemse obram nisfas nda sakon tubamba on tumbam yinga sanya nikasmse wala myeti kombonro nefsi ya arz extrem wala nefsi ya nangram. Mais ceux qui détruisent la terre seront détruits. Labram nisa sans samtenga abna sama blam. C'est ça aussi le message de la Pâque. Ya Pâque me kwair la wotu. Si nos actions sur le plan moral détruisent le monde, eh bien nous serons aussi détruits. Et c'est ça aussi le message qu'il faut retenir à l'occasion de la Pâque. Ton tout maladie le manasma ton taxe de sang inquiète non tu ton man tout mon sang dunia bibang tu na sama ton me ya wotu me la Pâque quera ton son tour dans garcan kan la. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Le temple de Dieu, l'alliance de Dieu sont des réalités dans le monde à venir. La wenam dora paka arzan pourin, la bnya bam kamba korolra bam dora pourin, la seigneurable la quais ne sa kelem se la tendigundu ne sa pilem wusra zindame, ratin yeti wenam dora ya boum si ya venra. Donc le message de la Pâque, c'est que il y a un temple de Dieu où il accueille tous ses enfants. Et il y a une alliance de Dieu dans laquelle il voudrait que chacun de nous soit engagé avec lui. Pâque. Wiligdame tizusoba wenam tara rogob san ngune ba fa la bum yetib sin kinse ne ba fa bene to borati ton yibram nis na serati pamwir lo kanfo. De la même manière que Moïse, lorsqu'il est monté sur la montagne, il y avait des voix, il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait la fumée, il y avait du feu,
il y avait de la grêle et Moïse était tremblant, il était époustouflé, il était tremblant, il tremblait comme ça. De la même manière, eh bien, la Bible nous dit qu'il y aura des voix, des éclairs, des tonnerres, un tremblement de terre. Mais le message de la Pâque, c'est que Dieu veut nous protéger de toutes ces manifestations terribles de sa colère. Au contraire, il veut nous accueillir dans son Saint-Temple pour la vie éternelle, pour que nous partagions la gloire de son Fils et que nos noms soient écrits pour l'éternité à venir. Sapilum bugum la bugzon sera bébé wa aya woto me mwenam nyeti wakat son wate sakilum si tendigum nugu sapilum la tota twa na zingame ti mwenam dat mo san bouton ne tonis na wa 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 nkiti ton pam zingbam ro songa pour zining meng bam san bouton do. Que la Pâque de cette année nous rapproche de Dieu par la repentance et la foi en Dieu le Père et en son Fils le Seigneur Jésus-Christ. Bine yam tikri lane sur kosro bambiri ton bawenam la bambiri bla Jésus-Christ mas minga biton twin bipak twin konton fare la tal ton kins wenam bilma pour. Et que la Pâque de l'année prochaine nous trouve déjà membre du royaume de Dieu protégé par sa justice. La ti ver Pâque sans wayita nanta me bimiti ton bi wenam solma wenam dora pour wenam songun ton la koronton. Et que la prochaine Pâque nous trouve déjà prêt pour le royaume. Que son nom soit béni et qu'il vous bénisse partout où vous êtes, dans vos familles, dans vos nations, par Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Amen. La ti pak son wate, hal nti bea tori, mik ti ton ser la men, pi zan kepiti kien, wenam solon pour un bisou sauve Jésus-Christ barka, la bam la fi, yi nyam puire, nyam sembe, dunia kire ninga fin, ton bisou sauve Jésus-Christ ninga. Amen. Ha ha ha.